Allons, pressons, greffier. Baudin, Louis. Procède à l'appel des conscrits. Baudin, Louis. Une croix. Tu tires au sort. Il est au champ. Par ici. Je sais pas écrire. C'est une croix. Cite pas, Jean, cite pas. Tire. Attention, là, là. Vous l'avez vu, Bignoire. Il n'y a que des bignoires. Madame Tupou. Allez les poteaux. On revient plus tard. T'as pas raison, là, Suzon. Il y a ton bon prêtre pour marier et puis pour baptiser les enfants. On dit que le jeune marquis Henri de la Roche-Jacquin, le fils de notre marquis, son aîné, est de retour au pays. Il paraît qu'il aurait passé l'hiver chez son cousin, monsieur de Lescure, au château de Tisson, à Bois-Mai. Oh, c'est-il pas vrai? J'étais persuadée qu'ils étaient repartis aux Antilles dans leur plantation avec son père. Eh ben non, là, Suzon. Il était bien à Paris. Et il était dans la garde royale de notre bon roi, au palais des Tuileries. Il s'est battu contre les révolutionnaires parisiens dissoutes alors. Mais oui, mais malheureusement, il n'a pas pu faire grand-chose, le gamin. Alors, avec son cousin, on raconte qu'il a pu s'échapper de Paris avec des faux papiers pour ne pas être arrêté. D'ailleurs, ceux qui ont été arrêtés ont été massacrés dans les prisons. Seigneur. Il va bien faire quelque chose. Il faut qu'il prenne la tête des paroisses de tout le pays. Toutes celles qui sont sur le bord gauche de la Loire se sont déjà soulevées contre la conscription, elles ont pris des armes. Il faut absolument aller prêter main forte en Anjou à l'armée de Stofflet et de Capineau. Pour sûr, Suzon, le cousin Pierre m'a raconté que les Angevins avaient pris une sacrée déculottée dans le grand choc de Chemillé. Depuis, ils refluent tous vers la Seine. Et les bateaux sont partout dans le pays. Quand le fils notre marquis sera de retour, pour sûr que les gars de Saint-Aubin viendront le chercher. Eh bien, que la Providence t'entende, la Jeannette. La révolte gronde, tous les cœurs sont en colère, et quand les événements vont éclater, que de malheurs s'annoncent, nous pouvons prier. Et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous sommes réunis ce soir tous ensemble et je vous vois très nombreux et je m'en réjouis pour célébrer malheureusement une messe de funérailles, une messe de requiem pour le repos de l'âme de notre bon roi Louis XVI. Nous avons appris avec stupéfaction qu'il a été exécuté il y a à peine 4 jours, place de la Révolution à Paris. Nous prierons donc pour le repos de son âme. Cette mort n'est pas juste une exécution comme les autres, comme il y en a tant d'autres. C'est d'abord un crime. Un crime puisque c'est un innocent qui a été mis à mort. Le roi Louis XVI est accusé d'être un traître à la France, un traître à son pays.
Or, vous le savez, tout comme moi, que notre roi a toujours voulu le bien de son peuple, a toujours voulu notre bien. Vous vous rappelez, il y a à peine 5 ans, nous avons rempli avec joie, avec espérance, des cahiers de doléances à sa demande pour lui faire savoir ce qui n'allait pas dans notre royaume. Et nous avons tous espéré des réformes pour que notre royaume aille mieux. Et vous le voyez bien, malheureusement, ce qui nous arrive aujourd'hui n'est clairement pas ce que nous attendions. Pas la mort d'un innocent. C'est donc un crime. Et deuxièmement, c'est aussi un sacrilège. Un sacrilège puisque c'est le roi qui est exécuté. Ce n'est pas un homme comme les autres, vous le savez aussi. Il a été sacré. Il est lieutenant de Dieu sur terre. Dieu lui demande de nous gouverner. Et ces hommes à Paris qui ont voté pour sa mort le savaient très bien. S'il n'avait pas été roi, il ne l'aurait probablement pas exécuté. C'est bien parce qu'il était cet homme, ce monarque, demandé par Dieu pour nous gouverner, qu'ils l'ont mis à mort. Enfin, j'en suis convaincu, même si nous disons cette messe pour le repos de son âme, si le roi Louis XVI a été mis à mort, c'est parce qu'il a voulu protéger l'Église comme monarque. Il s'est toujours mis en face de ceux qui voulaient le mal ou la mort de l'Église en France. Rappelez-vous son surnom, Monsieur Béteau, comme l'appelle les pâteaux parfois, vous l'avez entendu sur la place. C'est bien parce qu'il a refusé de signer les décrets concernant la déportation des prêtres réfractaires. C'est bien parce qu'il a été fidèle à Rome que les révolutionnaires se sont mis à détester notre monarque. Voilà pourquoi il est important pour nous de prier ce soir pour le repos de son âme. Et nous prierons aussi tout particulièrement pour son fils, le prince Louis XVII, le dauphin, sa sœur, leur mère, la reine Marie-Antoinette. Enfin, nous pouvons aussi prier pour demander à Dieu la protection, car s'ils ont frappé le pasteur, c'est bien parce qu'ils comptent frapper les brebis plus tard. Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure, a dit notre Seigneur. Nous pouvons clairement nous attendre désormais à ce que nous soyons tous frappés. D'abord l'Église, puis le roi, à quand le peuple? Mes amis, nous devons nous confier à notre Sainte Mère du Ciel, la Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est république, ça? Oui. Que dépend. Moi, je sais que elle ne m'a rien donné, votre république. Elle nous a spoliés. Elle nous a spoliés au moins avec nos messieurs avant que nous avions de quoi manger. Et puis, quand on n'avait pas la bonne récolte, on pouvait toujours s'arranger avec eux au moins. Avec vous, il n'y a pas moyen. Vous demandez toujours des sous, et ça continue de toute façon de nos jours. Oui. Et toi, t'es d'où là? Tu m'as l'air d'être marron, je te connais, toi. Tu serais pas de nouilles les oubliés, toi? Où t'es vu? Tu serais pas un ouvrier agricole qui connaît chez Roturon? Je t'ai vu, je te reconnais. Paris. C'est pareil, toi ouais. Aussi, ouais, vous êtes tous de Paris. J'ai jamais mis les pieds. Et toi, t'es où? Moi aussi. Mais comment est-ce que je t'ai vu à Pouzauche? T'es vu à Dauchepou, toi? Oh, ben d'un oui. T'as pas une tête de Vendéen, toi. Je vous laisserai pas la nuit passer, les gars, faut réfléchir. Hein. Vous vous ralliez à nous. Mais on ne répondra pas de vous demain. Hein. C'est pas moi. Eh bien. Les Westermann avec ses soldats a tout exterminé. Si vous voulez voir ce que ça représente, eh bien allez visiter aujourd'hui le cimetière des martyrs dans les bois de Vezin. Vous verrez la liste des jeunes, des moins jeunes et des enfants. 600 morts. 600 morts. Donc des gens d'Isernay, de Chanteloup, de Montlivrier, de Saint-Pierre-des-Échaubrognes. À Saint-Pierre-des-Échaubrognes aussi, avec Pierre Bourasso. Mon copain Pierre Bourasso de Saint-Pierre-des-Chaubrognes, qui était capitaine de cette paroisse, eh bien, il a essayé d'arrêter ces colonies territoriales. Mais elles ont continué partout à travers le pays. Et partout, lorsqu'elles arrivaient dans les villages, eh bien, elles n'hésitaient pas à couper quelques têtes. Car à cette époque-là, durant les guerres de Vendée, comme durant tout le temps de la Révolution, on coupait les têtes comme on peut couper un brin d'herbe. Et les choses se passaient ainsi. Les gens vivaient cachés, essayant de survivre comme ils le pouvaient. Mais qu'il était difficile de survivre en ces temps-là. Et nous attendions que la paix revienne. Mais savez-vous qu'elle n'est revenue qu'en 1795,
deux ans plus tard. Il nous a fallu deux ans pour survivre à ces aléas de l'histoire. Et je vous souhaite une chose, gens du 21e siècle, je vous souhaite qu'une chose, c'est de ne pas vivre de pareils moments. Car 300 000 morts, 500 000 disent certains, dans une si petite contrée, c'est énorme, c'est du jamais vu, c'est historique. Et on est heureux aujourd'hui de voir que vous vous intéressez à votre passé. Car les familles qui ont vécu cela, ce sont les vôtres, ce sont les vôtres. Ce sont les vôtres qui vivent encore ici aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a quelques vestiges comme ça qui restent des guerres de Vendée. Mais il est bon de s'intéresser au passé de son territoire. Après le garrot, bien entendu. Je coupe les chiens, vous voyez que c'est très facile. Comme ça. Je fais de l'autre côté. Et à ce moment-là, j'aperçois l'os. Mais pas plus. Hein. Mais l'épaisseur, c'est la lame. Pas plus. À ce moment-là, j'ai qu'une solution. Percy n'a pas encore inventé l'instrument qui va permettre de rétracter les chairs. Donc je vais prendre un torchon que je vais mettre dans cette position. Vous savez, un peu comme le sigle rouge que vous mettez à la boutonnière pour ceux qui sont contre, vous savez, qui sont pour, enfin contre. Enfin l'histoire du sida, quoi. Maladie à vous, ça, parce que nous, on n'a pas ça à cette époque-là. Donc, on prend le chiffon et on serre bien comme ça le chiffon. Il va arriver jusqu'à l'os à ce moment-là et il va écarter les chairs. Ok ? À partir du moment où on a réussi à écarter les chairs, ça a été découpé. Ça, c'est pour les petits oiseaux, là, bien sûr. Je prends cet instrument et je vais couper l'os très rapidement. Ça va prendre une minute, hein, pas plus. À ce moment-là, quand l'amputation a été faite, on va rabattre le moignon et on va finir. Après avoir fait quelques petits travaux. Les travaux consistent à empêcher l'écoulement du sang parce qu'il va bien falloir enlever le garrot à un moment. Donc à cette époque-là, la jeune fille vous a montré, on a, alors ça c'est un cautère donné, mais on a des variantes, on va mettre l'instrument, voilà. Ceci est un cautère. Avec un cautère, on cautérise, c'est logique. J'ai un bras zéro à côté, le feu, là c'est incandescent, imaginez que ça peut être plus large quand même. Là, par exemple, ça va être très bien pour stopper une veine. On a deux méthodes. On a soit par le principe de la cautérisation, mais on commence à utiliser aussi par le biais des, du fil, puisqu'on commence à coudre, on commence à coudre un peu, et on peut arrêter les veines, le sang qui coule par les veines. Okay ? Quand on a bien nettoyé cette partie-là, quand on a bien empêché le sang de se répandre par le biais des différents veines qu'il peut y avoir, à ce moment-là, on va rabattre le moignon. Moi, je laisse faire cette demoiselle qui va finir le travail, qui va coudre le moignon. Et après, ben, le monsieur va rejoindre des autres blessés. En général, on mettait les blessés dans des endroits religieux. C'est pas parce qu'on se disait il va mourir, donc c'est plus près qu'il soit. Comme ça, il est plus près du Seigneur. Non, c'est parce qu'on préfère les endroits facilement nettoyables. Et qu'est-ce qu'il y a de plus facilement nettoyable qu'une église ou un bâtiment qui a un dallage au sol? C'est ça qui nous intéresse. Ça permet de bien nettoyer à grande eau et de changer la paille. N'oubliez pas qu'à cette époque-là, les blessés ne sont pas dans des lits isolés. On n'est pas au 14-18 ou en 39-40, on est bien longtemps avant. Ça veut dire qu'il y a deux, voire trois hommes dans le même lit. J'entends bien ce que vous me dites, mais ne craignez-vous pas de vous lancer dans une aventure sans espoir de succès? Avez-vous déjà oublié la malheureuse révolte de la Saint-Louis et l'horrible massacre qui s'en est suivi? Il faut bien les défendre. On nous défend! Les gars, on est partout! Mais nous commandez là! On va aller le prêtre! On va aller le prêtre! J'entends. Le métier de Courlet. Toujours vaillant et brave dans l'action. Comme je te reconnais là. Merci, monsieur Henri. Vous n'aurez pas besoin de me convaincre davantage. Car je ne suis pas sans ignorer dans quelle situation se trouvent nos frères Angevins. Tous, aujourd'hui, vous êtes venus. Les paroisses de Saint-Aubin, de Châtillon, de Nueil, des Rortais, d'Isernay, des Stercieux, des Échaubrognes, tant de noms que bientôt, Rome et Sparte, eux-mêmes, nous environs, je vous le dis. Écoutez-moi, mes amis, je reviens du château de Plisson,
à Boimé. Mon cousin, le marquis de Lescure, y avait offert l'hospitalité pour l'hiver. Et voilà que j'apprends qu'il a été arrêté par la municipalité de Bressuire. Lui, sa jeune épouse, monsieur de Marigny, monsieur de Tolisson. Certes, je lui avais fait la promesse que s'il venait à être pris, je viendrais le délivrer à la tête des paroisses du pays. Mes amis, acceptez-vous de me suivre? Mes amis, je sais bien que si mon père était ici, il vous inspirerait plus de confiance. Je ne suis moi-même qu'un enfant et à peine me connaissez-vous. Je n'ai pour moi que mon extrême jeunesse et mon inexpérience. Pourtant, par mon courage, j'espère me montrer digne de l'honneur que vous me faites de pouvoir être à votre tête. Si j'avance, suivez-moi. Si je recule, tuez-moi. Si je meurs, vengez-moi. Vive le roi! Vive le roi!